Bonjour et bienvenue sur le site Artemio pour découvrir nos catalogues. Quand vous cliquez sur l'onglet Catalogue de notre site, vous avez nos trois dernières parutions. Si je prends le catalogue principal, je clique dessus, je prends un certain temps pour le chargement étant donné que le catalogue comporte 424 pages. Et voilà, mon catalogue est sur mon bureau. Je peux maintenant le feuilleter pour découvrir tous les articles Artemio. Quand je vois un article qui m'intéresse, je clique sur la page et je peux zoomer sur le produit. Je peux aussi choisir de naviguer selon la table des matières qui reprend les grandes catégories d'activités développées par Artemio. Je suis par exemple intéressée par les pochoirs, je clique sur pochoirs et je me retrouve directement à la bonne page du catalogue. Je peux choisir de naviguer par les petites images de chaque page du catalogue. Je remonte, je vois un article qui m'intéresse, je clique dessus. Je vois les porte-clés, je peux zoomer. Quand un article m'intéresse, je peux le bookmarker, c'est-à-dire le mettre dans mes favoris. Comment est-ce que je fais? Je clique sur la petite icône Bookmark. Là, je peux noter porte-clé. Et je l'ajoute à mes favoris. Si bien que quand je reviens plus tard, pour autant que je sois identifié, je pourrai retrouver tous mes porte-clés. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir faire une recherche par produit. Vous avez entendu parler d'un produit Artemio, par exemple un nichoir. Vous pouvez entrer le mot nichoir dans la recherche. Il n'y en a pas. C'est normal, c'est dans le catalogue printemps qui se trouve donc ailleurs sur le site. Je vais entrer le pistolet à chaleur, par exemple. Et j'ai ici toutes les références au pistolet à chaleur dans le catalogue. Je clique sur la première. Je me retrouve sur la page de présentation du pistolet à chaleur qui sert donc à embosser les poutres sur les tampons. Vous pouvez aussi, si vous la connaissez, entrer une référence d'un article. Par exemple, Vipo 01. Vous enlevez évidemment pistolet à chaleur. Et vous avez la page du catalogue qui vous parle de la poudre. Il s'agit en fait d'ossée transparente qui se trouve donc ici. À noter que vous pouvez aussi faire cette recherche dans tout le site Artemio. Donc si vous tapez Vipo 01, voilà toutes les fiches qui vous parlent de cet article. Vous pouvez donc, vous voyez, embossage à la poudre transparente. Il s'agit d'une technique. Et vous avez toutes les explications pour l'utilisation de la poudre. Il y a même ici, dans ce cas-ci, une vidéo. J'en profite pour vous signaler que lorsque vous vous trouvez sur une fiche technique ou une fiche idée, toutes les références sont cliquables. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous vous retrouvez directement sur la bonne page du catalogue qui vous montre cet article. Et voilà, le tampon qui a servi à réaliser la carte. D'ailleurs, vous voyez même la carte qui se trouve dessus.